Salut mes petites frites, c'est Boisdin, en avant pour 3 minutes pour deviner. Alors n'oubliez pas qu'il faut absolument que vous jouiez le jeu. Après bon, vous pouvez très bien regarder tout en... juste pour admirer le dessin, voilà, comme ça. Mais c'est toujours mieux si vous jouez. Alors j'ai pas mis le timer cette fois, parce que je me dis que c'est beaucoup moins important. Alors là, j'ai essayé d'étudier le truc, hein, de faire exprès... les trucs les moins évidents d'abord, etc. Je ne sais pas si ça va fonctionner, si vous allez trouver tout de suite. Et je vais essayer déjà de mettre une bonne musique, parce qu'à chaque fois je ne sais pas trop quoi dire. Et deuxièmement, je vais essayer de vous parler de quelque chose, donc d'un sujet brûlant d'actualité, l'E3. Alors l'E3 qui vient de se passer là, l'E3 2015, avec beaucoup de choses, hein. Pour l'instant le dessin ça doit rien vous dire, j'espère. Et si je parle de l'E3, ce n'est pas anodin, c'est un indice, bien entendu. Alors, tout le monde a réagi très positivement à la conférence Sony, avec Final Fantasy VII, le remake, bien entendu. Et moi, j'ai jamais été un fan de Final Fantasy, pas du tout même. J'aime pas trop cette licence, à part le 7. Alors ça fait un petit peu genre ah oui il aime que le 7, non c'est parce que j'étais gosse quand le 7 est sorti et j'y ai pas joué, mais j'ai vu mon demi-frère le finir, et on se levait tôt et on se couchait tard exprès pour le regarder finir ce jeu. Donc c'est pas comme si c'est presque comme si je l'avais fait, quoi, comme si j'avais regardé un streaming complet de Final Fantasy 7. Donc ce jeu m'a quand même pas mal touché, mais c'est tout, voilà, c'est tout, c'est le seul Final Fantasy que j'ai aimé, avec aussi le Tactic Advance. Je sais pas si vous vous souvenez du Tactic Advance ou Game Boy Advance, qui était pas du tout comme les autres, hein, pas un Final Fantasy classique, mais que j'ai beaucoup aimé. Après, je ne peux pas nier, même si j'aime pas trop Final Fantasy, la licence, que c'est un univers vachement cool, les chocobos, etc. On est à peu près à 2 minutes, on a 2 minutes. Donc je vais commencer à fignoler, parce qu'il faut que vous deviniez quand même ce que je dessine. J'espère que je raconte pas trop de la merde. Bref, voilà, Final Fantasy, donc du coup j'aimerais bien faire ce remake, pour le faire moi-même, ce jeu. Alors là commence à y avoir un indice. Vous devriez commencer à trouver, et justement c'est un jeu qui a fait beaucoup parler de lui. À la conférence Nintendo. Par contre, moi je ne suis pas d'accord avec la polémique qu'il y a eu autour de ce jeu. Je vais toujours pas le nommer, on sait jamais, il y en a peut-être qui connaissent pas ou qui ont pas trouvé. Par rapport à la pétition pour pas que ce jeu sorte, alors je suis un grand fan, surtout des épisodes en 2D, mais non, même si je suis pas emballé par ce qui va se faire, on n'a pas le droit de faire ça. On peut pas faire une pétition pour interdire à un développeur de sortir un jeu. On peut leur exprimer notre mécontentement, mais non, on peut pas leur interdire de sortir un jeu, c'est ridicule. J'aurais aimé, du coup là je peux le dire, c'est un Metroid, hein. J'aurais aimé un Metroid en 2D, en bonne vieille 2D, mais du coup une 2D de ouf, quoi, une 2D bien refaite et tout, je sais pas, en pixel art, ou enfin un petit Metroid en 2D, là. J'ai bien aimé les Prime, hein, mais en 2D, c'est les meilleurs épisodes. Ceux sur Game Boy Advance, Fusion, oh là là. Voilà, bon, je vais arrêter là, c'est un Metroid, hein. Donc dites-moi toujours à quel moment vous avez trouvé, du coup dans le timer de la vidéo, parce qu'il n'y a plus le téléphone, ce qui est, je trouve, plus pratique, comme ça tout le monde est d'accord. Voilà, je vous fais des bisous, je signe, et je vous dis à bientôt.